Prenons un exemple. Monsieur X, de nationalité française, réside aujourd'hui en Italie depuis maintenant 10 ans. Il ne possède qu'un seul bien, une maison d'une valeur de 650 000 euros située en Italie. Il n'a qu'une descendante légale, sa fille, qui elle a toujours vécu en France. En application de l'article 750 ter du Code général des impôts, tous les biens sont taxables en France. Pour calculer l'impôt payable en France au titre des droits de succession, voici le raisonnement. Tout d'abord, il faut calculer l'actif net taxable. Ici, c'est très simple puisque Monsieur X ne possède qu'une maison, donc l'actif net taxable est de seulement 650 000 euros. Ensuite, il faut calculer la part revenant à chaque héritier. Là encore, très simple, Monsieur X n'a qu'une descendante légale, sa fille, qui a toujours vécu en France. Ensuite, nous nous intéressons aux abattements. L'héritier étant sa fille, elle bénéficie d'un abattement de 100 000 euros. Dès lors, seuls 550 000 euros seront taxables en France. Ensuite, il faut appliquer le barème prévu à cet effet pour calculer l'impôt à payer, qui en l'occurrence s'élève à 108 194,35 euros. À présent, il faut s'assurer que la maison ne sera pas également taxée en Italie. En effet, en vertu du principe lex reiciae, la loi basée sur l'endroit où se trouve la propriété, la fille de Monsieur X devra également payer ses impôts en Italie. Cependant, une convention fiscale existe entre l'Italie et la France. En vertu de cette dernière, l'État italien devra déduire de l'impôt calculé selon sa propre législation l'impôt payé en France sur le bien immeuble de Monsieur X.